4 ans après la fin de Daesh, il y avait toujours une centaine d'enfants français dans les camps. Et moi, je trouve ça fou que la France ait délibérément choisi de les abandonner là-bas. Je suis très fière, évidemment, et très heureuse aussi que ce prix permette de remettre un petit peu de lumière sur le sort des enfants français en Syrie, mais aussi sur la Syrie et sur le conflit syrien que tout le monde a oublié aujourd'hui, mais qui continue de connaître un petit peu comme un séisme des répliques. Le djihadisme est une de ces répliques du conflit syrien et il ne faut pas croire que parce que Daesh a perdu son califat, Daesh est mort. Ça va, papy ? Je suis avec ma mère, je veux te voir beaucoup. C'est quand on va en France. Beaucoup de pays, à l'époque, se sont dit « Bon, la guerre est terminée, les adultes, on va les mettre en prison, mais qu'est-ce qu'on fait des enfants ?» Depuis la fin de la guerre contre Daesh, donc début 2019, la France a ramené 300 enfants. Mais il en reste une centaine à Roj, dans le camp de Roj, au nord-est de la Syrie. Et ces enfants-là, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. C'est un choix qui a été fait en conscience de laisser le problème en Syrie. Comme si ça ne nous regardait plus finalement, parce que tout ça se déroulait loin de chez nous. Et je pense que c'est non seulement injuste pour ces enfants qui n'ont pas à payer les choix de leurs parents, c'est aussi complètement irresponsable parce que ces enfants, ils vont grandir. Ces enfants, ils sont français. Et là, pour l'instant, on est sur une vision court-termiste. On laisse le problème loin de nos frontières. Mais ces enfants vont grandir, ils vont être majeurs un jour. Et qu'est-ce qu'il va advenir d'eux? Quel est leur avenir et qu'est-ce que la France fait pour ces enfants qui, jusqu'à preuve du contraire, sont français et uniquement français. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés en Syrie qu'ils ne sont pas français. Au moins un de leurs parents, sinon leurs deux parents, sont français. On n'a pas à choisir entre de bons enfants français et de mauvais enfants français. Les enfants de djihadistes sont obligés d'assumer des choix dont ils ne sont pas du tout responsables. Et en ce qui concerne les enfants de djihadistes, c'est presque le pire fardeau qu'on peut mettre aujourd'hui sur le dos d'un enfant parce que cet enfant, il va devoir se construire avec cette identité. Je suis français, mais mes parents ont rejoint Daesh. Comment est-ce que ces enfants vont trouver leur place dans notre société? Et surtout, comment on va les traiter, nous, en tant qu'État, en tant que concitoyens? C'est des questions que j'essaye de poser parce que je trouve que les enfants subissent sans avoir de prise. Donc, ils sont souvent exposés à une grande injustice sans pouvoir se défendre. Je suis le commandant de bord. Votre attention, s'il vous plaît, attachez vos ceintures afin qu'on puisse décoller en direction de la France. Au début, on se disait, bon, c'est compliqué d'aller chercher des enfants sur un terrain de guerre, de faire poser un avion, de le faire redécoller, c'est très compliqué. Puis, au fil de mon enquête, je me suis rendu compte que d'autres pays l'avaient fait. Donc, ça méritait un film, mais surtout, c'était une manière de dénoncer une forme d'hypocrisie. On est un pays prompt à clamer haut et fort sur la scène internationale qu'on a des standards en matière de droits de l'homme et en matière de droits de l'enfant. Et ces standards, on les impose à d'autres pays. Pourtant, ce qui se passe avec les enfants de djihadistes montre à quel point on ne s'applique pas ces standards à nous-mêmes. On ne respecte pas un droit qu'on a nous-mêmes édicté, des conventions qu'on a nous-mêmes signées. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour une démocratie. Coucou mémé et pépi, j'espère que je serai bientôt avec vous. Je fais des gros bisous à toute la famille. C'est un peu dur avec l'hiver et tout, mais ça va, on se débrouille bien. Pour ce genre de film, on ne peut pas faire sans les familles et on ne peut pas faire sans la confiance des familles. On est avec des gens, des grands-parents, qui ont perdu confiance, dans les institutions qui les ont abandonnés et qui ont perdu confiance aussi dans les médias qui très souvent on parlait de leurs petits-enfants comme des terroristes, purement et simplement. Et le film revient aussi sur ça. On a une responsabilité, nous, journalistes, sur la manière dont on parle de ces enfants. Et c'est vrai qu'il y a eu un traumatisme collectif avec les attentats sur notre territoire. Et on a parlé de ces enfants comme des djihadistes. On a diffusé des images de propagande de Daesh qui étaient destinés à nous terroriser d'enfants avec des kalachnikovs, d'enfants qui commettaient des atrocités. Et ça nous a empêchés de voir ces enfants pour ce qu'ils étaient, des victimes de leurs parents et des victimes d'une idéologie. Et donc on n'a pas traité ces enfants comme des enfants, notamment
à cause de Daesh. Et quelque part, c'est une victoire pour cette idéologie djihadiste, puisqu'on a bafoué nos propres principes parce que c'était Daesh. Parce que Daesh a incarné le mal absolu depuis une dizaine d'années, depuis qu'il y a eu des attentats sur le sol européen et sur le sol français. Et ça nous a rendus aveugles au sort de ces enfants dont pourtant on est responsable parce que ce sont des Français et parce que ce sont des enfants.